Eh bien, salut tout le monde, c'est Kirbendo, et voici ce nouvel épisode de Tomodachi Life. Plusieurs choses à vous dire aujourd'hui. Déjà, comme vous pouvez le voir en haut, il y a une petite étoile avec marqué 14. C'est tout simplement que quand on a envoyé notre premier habitant à l'étranger, et donc qu'on a en gros fini, entre guillemets, la première quête du jeu, eh bien on se retrouve avec cette petite étoile qui apparaît, qui signifie notre taux en gros de bonheur des habitants sur l'île. Donc 14, ça me semble pas énorme, mais en fait, j'ai débloqué, en street passant d'autres personnes à la Japan Expo, un rang qui annonce en fait les qualités de vie de différentes îles en fait que j'ai pu rencontrer. Donc la première, l'île de France à 43 étoiles. Ensuite, l'île Shimaoma, je crois, si j'ai pas oublié mon japonais, Shimaoma. C'est Shimaoma, il me semble. Donc 31, donc moi, en gros, je me retrouve... Wolf Island est 13ème avec 14 étoiles. Bon, il y a eu pire que ça, hein, ça descend vraiment... parce que j'en ai rencontré beaucoup, beaucoup aujourd'hui. Donc, ça descend jusqu'à 40, hein. Il y a des gens qui sont pas très inventifs pour le nom de leur île, hein, Luigi... île aux poules, voilà. Donc je voulais pas vous montrer juste ça, je voulais aussi vous montrer ceci. En fait, il y a un habitant qui s'est mis à camper chez moi. Donc je vais aller lui rendre visite à Liam. Je ne sais pas d'où il vient. Enfin, ça va être marqué, mais je ne le connais pas, c'est pas quelqu'un que je connais. Peut-être, Donc en gros, il aime bien ce camp. Il nous dit qu'il s'appelle Liam. Que c'est la première île en fait qu'il visite apparemment. Alors son vive la reine, c'est le mot que nous fait passer la personne qui le possède. Donc alors donc en gros les gens qui viennent habiter sur l'île, ils y restent que quelques temps, ils y restent pas longtemps. Mais comme ils sont fatigués, ils ont besoin de nourriture ou juste de divertissement, et donc il faut s'en occuper comme les autres habitants, et si on arrive suffisamment à les prendre heureux, quoi, il va se passer quelque chose. Je vais vous montrer. Donc en gros, là, je vais vous montrer. Donc il a niveau 1 de gratitude, France, il est arrivé 2 juillet, donc Japan Expo. Il a voyagé pendant 4 jours avant d'arriver ici, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, moi, quand j'ai rencontré ma première personne en Street Pass, Skylar est partie dans son île. Mais donc, comme elle est vraiment partie, toutes les personnes que j'ai rencontrées après, elle ne peut plus partir vu qu'elle est déjà partie. Elle ne pourra partir qu'au bout de certains jours quand elle reviendra. Donc en gros, c'est... ou alors elle partira depuis la 3DS de la personne chez qui elle est. C'est quelque chose de très spécifique en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc en gros, il a visité une île, donc la nôtre, il vient de Valhalla Island, il est allé à Boulouf. Donc leur ville, elle est plutôt artistique, avec 24 habitants, 24,2 ans en moyenne, il y a 12 hommes pour 12 femmes, 30 de qualité de vie, 852 problèmes résolus, 32 personnes rencontrées en Street Pass, et 7... visiteurs reçus, ok. 7 mariages, 10 enfants et 4 voyageurs envoyés. Donc Valhalla Island. Je n'ai malheureusement pas le nom de la personne qui s'occupe de cette île, mais bon, Valhalla Island. Peut-être, sait-on jamais, que cette personne regardera la vidéo. Mais j'en doute, parce qu'il y a eu pas mal de gens à la Japan. Donc, alors, je vais lui donner à manger. Des tempura, j'en ai beaucoup. On va voir, mince, désolé. On va voir ce qu'il en pense. Il aime bien. Ok. Ok, donc ça lui a rappelé toutes les bonnes choses qu'il appréciait, enfin toutes ses choses préférées. Donc là, il augmente pas mal. C'est toujours pas fini. Stinky. Ah, donc il veut un bain. Stinky, en gros, c'est un peu... en gros, c'est qu'il pense qu'il sent mauvais. Donc, basse. Alors... ok, ça fait longtemps qu'il a eu un bon bain, apparemment. Oh là là, c'est quoi ça? C'est une marmite? Par contre, il chante toujours la même musique dans le bain. Est-ce que la caméra pourrait changer? Ouais. Parce que j'aimerais bien voir, en fait... ah, ok. Donc, il est dans un espèce de baril en métal en train de prendre son bain. Pourquoi pas?
Bon bah, sympa. Alors, est-ce que ça va continuer à faire monter son bonheur? Ouais, pourquoi pas. Il a bien apprécié ce bain. Oh! Cool. Alors. Ouais. Ah, il a de la cuisine exotique. Et il me demande si je veux bien la voir contre une pièce de jeu. Donc les pièces de jeu, ce sont les pièces qu'on a en marchant avec la 3DS. Hein. C'est les pièces qui sont communes au système. Donc, ok. Ils nous disent, oui, sachez que les pièces dépensées ne seront pas réattribuées, même si on sauvegarde pas le jeu, etc., etc., pourquoi pas. Allez. Ok, donc ça va l'aider à couvrir ses dépenses, enfin ses frais de voyage. Donc on a de la cuisine exotique. Ok, je vais vous montrer ça juste après. Donc là, il est toujours pas... Quoi? Qu'est-ce qu'il veut? Il a pris une photo avec qui? Oh? Ok, donc en gros, il demande si, si en renvoyant un message chez lui, il peut, donc à son vrai possesseur, il peut joindre cette lettre avec. Je me demande si ça va marcher par StreetPass ou par Internet, parce que ce serait cool ça. Moi, j'aimerais bien avoir de nouvelles d'Akari dans ce cas-là. C'est super, hein. Je trouve ça cool. Ouais. Ah, et en plus, je peux écrire un message. Oh. C'est cool. Mais je vais écrire, vous êtes filmé. Mais, parce que je découvre un peu quand même. J'avais vu un peu le principe, mais j'avais pas creusé. Et donc, parce que j'avais peur, en fait, comme j'avais qu'un seul habitant, que si j'avance trop, en fait, je loupe des trucs que j'aurais pas pu tourner. Alors, voilà. Ah, j'aurais dû mettre un S, mince. Let me change it, oui. Vous êtes filmé. Ah oui, sauf que c'était un vouvoiement, je ne sais jamais si les vouvoiements prennent des S ou pas. On va dire qu'il en prend. Ok. Oui, voilà, tu diras ça. Ok, donc quand il rentrera chez lui, apparemment il passera le message. Ok. Est-ce qu'on est seul dans l'univers? Pourquoi sommes-nous là? Ce sont des choses que je me demande. Oula, il a des questions quand même assez étranges. Mais bon, pourquoi pas. Je vais lui donner un petit jus parce que j'aimerais bien quand même arriver à plus d'un level de gratitude. Ouais, à mon avis, ça va le faire, là. Ok. Oh. Ouais. Ok, donc en gros, il le dira à tout le monde en rentrant chez lui. Et c'est tout. Ok, ça fait juste niveau 2 de gratitude. Ok. Pourquoi pas. Ah, apparemment, je crois qu'il s'en va tôt demain matin, donc il sera peut-être plus là quand je reviendrai. Ouais, là, il dort. Ok, donc je vais juste vous montrer, pendant que j'y suis. Alors, collection. En gros, il y avait un truc que j'avais, qui n'a jamais été complété jusqu'à maintenant, c'est Special Food. Et donc, les Special Food, ce sont des nourritures... exceptionnel, donc on ne peut pas acheter quoi qu'il arrive. Parce que toutes les nourritures qu'il y a dans le jeu, une fois qu'on les a obtenues une première fois, on peut les acheter à la boutique. Celles-là, non, on ne peut pas les acheter à la boutique. Donc il faut vraiment les donner à des gens particuliers. Mais aussi, comment dire, d'après ce que j'ai lu sur le net, ils sont quasiment obligés de les apprécier. Genre, j'ai jamais lu aucun rapport où des gens n'avaient pas aimé en fait les nourritures trésors, en fait, les special foods. Voilà. Donc, on va en rester là. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Et on se retrouve bientôt pour de nouveaux épisodes. Bye!